السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم معي مجددا على قناة مون فرونسي في حصة جديدة من سلسلة تعلم الفرنسية عن طريق القصص، وسنتم قصتنا الماضية التي كانت بعنوان Un jouet merveilleux، لعبة رائعة. Suite. إذن هذه تتمت الحصة الماضية. كالعادة سأشرح لكم هذه الكلمات الموجودة في النص. Il n'y a plus qu'à tourner. Il n'y a plus qu'à tourner. يعني لم يبقى شيء إلا إدارة أو إلا أن ندير. Le cercle, الدائرة, impressionnante, بمعنى مبهرة أو مثيرة. Piqué du nez. Piqué du nez, هذه العبارة نعني بها الهبوط أو النزول. Une discussion, محادثة. Ils essaient, كانوا يحاولون. Un avis, رأي. Un essai, تجربة. Un triomphe, بمعنى انتصار. Satisfait, راض. Avec précaution, باحتراز. En comptant, وهو يعد. Magnifique, رائع. Brusquement, فجأة. إذن سأبدأ بقراءة النص كالعادة بدون شرح. حاولوا أن تفهموا القصة وأن تنتبهوا لطريقة نطق الكلمات. Enfin l'avion est prêt à voler. Il n'y a plus qu'à tourner l'hélice à la main pour monter le moteur. C'est fait. L'oncle Jean lève alors l'appareil à bout de bras. Tout le monde fait cercle et se prépare à admirer le premier vol de l'appareil. Attention, je lâche tout. L'avion part à une vitesse impressionnante, pique du nez aussitôt et vient s'écraser à 5 mètres à peine de son point de départ. Oncle Jean et papa se précipitent. Heureusement, l'appareil n'est pas trop abîmé. L'oncle Jean a vite terminé les réparations. Mais il est tout de même vexé. Cet avion n'est pas fait pour piquer du nez ainsi. Il devrait voler. On reprend la notice. De nouvelles discussions s'élèvent entre papa et oncle et l'oncle Jean sur le réglage des ailes et de la queue de l'appareil. Maman et tante Mad essaient bien de donner leur avis, mais l'oncle Jean les arrête d'un ton sévère. Mais non, voyons, on voit bien que vous n'y connaissez rien. Enfin, on tente un nouvel essai. Cette fois-ci, c'est un triomphe. L'avion monte régulièrement, décrit un large cercle, redescend en vol plané et vient se poser délicatement dans l'herbe. Jean-Pierre bat les mains, l'oncle Jean est satisfait et quelque peu soulagé. Maintenant, il marche bien. Tu peux jouer tout seul, dit-il à Jean-Pierre. Tout le monde rentre à la maison, sauf Jean-Pierre, qui reste dans le pré. Le voilà heureux. Il va enfin pouvoir jouer avec son avion. Il le remonte d'abord avec précaution, en comptant les tours, puis il le lance. Magnifique vol. L'avion monte régulièrement, mais brusquement un coup de vent l'emporte et le plaque sur le toit de la maison.
إذن سنعيد الآن قراءة النص مع الشرح. Enfin, l'avion est prêt à voler. إذن أخيرا الطائرة هي جاهزة للطيران. Est prêt à voler. Il n'y a plus qu'à tourner l'hélice. Il n'y a plus qu'à بمعنى لم يبقى شيء إلا. Il n'y a plus qu'à tourner l'hélice يعني إدارة المروحة. Il n'y a plus qu'à tourner l'hélice à la main pour monter le moteur. لكي يعمل المحرك. C'est fait. لقد تم. L'oncle Jean lève alors l'appareil à bout de bras. إذا l'oncle Jean يرفع الجهاز بمعنى الطائرة à bout de bras على مسافة ذراع. Tout le monde fait cercle بمعنى الجميع تجمع. Tout le monde fait cercle et se prépare à admirer le premier vol de l'appareil. يعني الجميع قد تجمع ينتظر ويستعد لي يعني للإعجاب بتلك الطائرة وهي تطير. À admirer le premier vol de l'appareil. يعني الطيران الأول للطائرة. Attention, je lâche tout. انتبهوا سأطلق كل شيء. Je lâche tout. L'avion part à une vitesse impressionnante. الطائرة تنطلق بسرعة مبهرة. Pique du nez aussitôt. لكنها تهبط وتنخفض فورا. Aussitôt. Et vient s'écraser à 5 mètres. À peine de son point de départ. بمعنى وتصطدم. تصطدم بالأرض على بعد 5 أمتار من انطلاقها. À peine de son point de départ. Oncle Jean et papa se précipitent. إذن يسرعون. Se précipitent يعني يذهبون بسرعة. Heureusement, لحسن الحظ, l'appareil n'est pas trop abîmé. إذن الجهاز الذي نعني به الطائرة n'est pas trop abîmé. لم يحطم ولم يفسد. مازال صالحا. L'oncle Jean a vite terminé les réparations. العم جون قد أنهى بسرعة. A vite terminé. أنهى بسرعة. Les réparations. الإصلاحات. Mais il est tout de même vexé. لكنه مع ذلك منزعج. Il est tout de même. مع ذلك أو رغم ذلك vexé. منزعج. Cet avion n'est pas fait pour piquer du nez ainsi. هذه الطائرة لم تصنع لي يعني لكي تهبط بهذه الطريقة. Il devrait voler. يجب أن تطير. On reprend la notice. يعني نعيد قراءة مذكرة النشرة أو المذكرة التي عليها التعليمات. La notice. De nouvelles discussions. يعني محادثات جديدة. S'élève entre papa et l'oncle Jean. محادثات جديدة ترفع بين الأب و العم جون. Sur le réglage des ailes. على ضبط يعني الأجنحة. حول ضبط الأجنحة. Et de la queue de l'appareil. وعلى مؤخرة الجهاز. Maman étant mad, essaie bien de donner leur avis. إذن الأم والعمة ماد essaie. كانتا تحاولان. Essaie. Le verbe essayer à l'imparfait. Essaie يعني كانتا في ذلك الوقت تحاولان أن تعطيا رأيهما. De donner leur avis. Mais l'oncle Jean les arrête d'un ton sévère. لكن العم جون يوقفهما. Les arrête. D'un ton sévère, binabratin sarima. Mais non, voyons, on voit bien que vous n'y connaissez rien. يقول لهم ولكن نرى أنكم يعني لا تعرفون شيئا عن هذا. On voit bien que vous n'y
connaissez rien, la تعرفون شيئا عن هذا الأمر أو لا تفهمون شيئا في هذا. Enfin, on tente un nouvel essai. أخيرا نجرب محاولة أو تجربة جديدة. Cette fois-ci, هذه المرة, c'est un triomphe. إنه انتصار. L'avion monte régulièrement. يعني السيارة تصعد بانتظام. Régulièrement. بانتظام. Décrit un large cercle. يعني تقوم بتستعرض دورة. Un large cercle. دورة كبيرة. Redescend en vol plané. وتهبط مرة أخرى. Redescend en vol plané. في رحلة جوية. En vol plané. Et vient se poser délicatement. وتأتي لتحط بدقة délicatement dans l'herbe. على العشب. Jean-Pierre bat les mains. Jean-Pierre يصفق. Bat les mains. L'oncle Jean est satisfait. Radin. Est quelque peu soulagé. Ou مرتاح قليلا. Maintenant, الآن, il marche bien. إنها تعمل جيدا. Tu peux jouer tout seul. يمكنك أن تلعب لوحدك. Dit-il à Jean-Pierre. Tout le monde rentre à la maison. إذن الجميع قد دخل للمنزل. Sauf Jean-Pierre. ما عدا Jean-Pierre. Qui reste dans le pré. يعني الذي يبقى في المرعى. أو المرج. مكان كبير. فيه عشب. Le voilà heureux. Ha huwa سعيد. Il va enfin pouvoir jouer avec son avion. سيستطيع أخيرا. Il va enfin pouvoir. سيستطيع أخيرا أن يلعب بطائرته. Il le remonte d'abord avec précaution. يعني يرفعها أولا باحتراز. En comptant وهو يعد en comptant les tours الدورات وهو يعد الدورات puis il le lance ثم يطلقها. Magnifique vol طيران رائع. L'avion monte régulièrement يعني الطائرة تصعد بانتظام. Mais brusquement فجأة un coup de vent l'emporte يعني ريح قوي. Un coup de vent l'emporte ينقلها et le plaque sur le toit de la maison. ينقلها ويتركها في فوق سقف المنزل. إذا ما زالت هناك تتمة لهذه القصة سنتمها في الحصة المقبلة بإذن الله. سننتقل الآن إلى فقرة فوكابولير. vexé قلنا بمعنى منزعج. جاك veut sauter par-dessus la rivière. Il saute et tombe dans l'eau. Tout le monde se moque de lui. جاك est vexé. Le réglage هو الضبط. Vos phares éclairent trop haut. Il faut les régler. Vos freins ne serrent pas bien. Il faut les régler. يعني يجب ضبطها. Le vol plané يعني الرحلة الجوية. Quand la cigogne vole sans bouger ses ailes, elle fait un vol plané. سنمر مباشرة إلى فقرة la conjugaison. Le verbe lire au futur. فعل يقرأ. Lire في المستقبل. Au futur. Je lirai. أنا سأقرأ. Je lirai. A-I. À la fin. Je lirai le journal ce soir. أنا سأقرأ الجريدة هذا المساء. Tu liras. أنت ستقرأ. A-S. Tu liras le journal ce soir. أنت ستقرأ الجريدة هذا المساء. Il lira le journal ce soir. هو سيقرأ. A. À la fin. Il lira le journal ce soir. Elle lira le journal ce soir. هي ستقرأ. Nous lirons. نحن سنقرأ. Nous lirons.
Vous lirez. أنتم ستقرؤون. Ils liront. هم سيقرؤون. Elles liront. هن سيقرأن. إذن كانت هذه هي حصة اليوم. أتمنى أنكم قد استفدتم وتعلمتم أشياء. لا تنسوا أن تدعمونا دائما بالضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو وكتابة التعليق. وحد موفق للجميع.